Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, les amis. Donc, avant que la vidéo commence, je vous invite à tous vous abonner. Voilà, ça ne demande qu'un petit clic, vraiment. Faites ce petit effort, s'il vous plaît, les amis, parce que ça me remerciera de tous les efforts produits sur cette chaîne. Et par la même occasion, ça prouve que mes vidéos servent aux nouveaux ou même aux gens en règle générale. Donc, un très très grand merci à tous ceux qui le feront, sincèrement. À tous ceux-là qui font. Du coup, les amis, dans la description, vous avez un Discord, le Discord de la communauté d'NLJ86. Donc là, c'est un Discord où tout le monde peut venir discuter, parler, poser des questions, même proposer des choix de vidéos, de live. Enfin, voilà, c'est un peu une réunion des gamers, quoi, on va dire, où tout le monde peut se réunir et discuter. Donc c'est un serveur communautaire multigaming, pour ceux que ça intéresse. Donc je vous invite tous dessus, voilà. En plus, par la même occasion, pour ceux qui ne le sachent pas, mais si vous voulez être éligible au giveaway qui est encore disponible pendant quelques semaines, bah faut être sur ce Discord. Donc bah voilà, par la même occasion, je vous le dis, ça vous aidera à vous pour ce petit giveaway. Le second Discord, les amis, dans la description, donc on voit Discord de la corporation DigiTeam FR. Donc c'est une corporation sur Star Citizen qui a pour l'ambition de grandir, de devenir assez grosse pour dicter ses propres choix, pas se faire dicter par d'autres personnes ou par d'autres corporations. Donc si ça vous intéresse de rejoindre une corporation qui a de l'ambition et qui veut aller loin dans le jeu, bah écoutez. Le Discord est dans la description. Faites-vous plaisir. Rejoignez-nous. Ben, bien entendu, l'intercorpo n'est pas accepté. Et par la même occasion, on cherche des personnes sérieuses. Donc, que vous soyez nouveau ou vétéran, que vous soyez en groupe ou solo, vous êtes le bienvenu au sein de la Digital Corporation. J'essaie de prendre un accent dégueulasse. Et par tout hasard, tous les nouveaux comptes RSI qui s'inscrivent sur le site, vous avez mon code de parrainage. Si vous le mettez, vous gagnerez 5000 AUEC en plus de votre mise de départ en arrivant in-game. Ce qui n'est pas dégueulasse quand on commence le jeu et encore plus par les temps qui courent. Donc les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Star Citizen et plus particulièrement pour faire des missions de chasseurs de Prime Bounty Hunter pour les intimes. Donc je me retrouve avec le C2 du coup, parce que c'est faisable en C2, et si vous êtes solo du coup encore actuellement, parce que là je parle pour la 3x24.1, c'est encore faisable. Entre 3x24.2, ça sera peut-être un peu moins faisable. Sinon je ferai le test avec vous les amis, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je serai là pour faire les tests. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est possible de le faire en solo, tout ce qui est Bounty Hunter, du côté légal bien entendu. Donc, on va s'y mettre. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel vaisseau de transport. Le mieux, c'est que ce soit un vaisseau quand même assez agile ou alors solide et résistant. Ce qui est le cas du C2. Il est très solide et il envoie de la patate avec ses M7A. Ses M7A, c'est les armes, bien entendu. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, pour prendre l'émission qui nous intéresse, tout simplement, vous allez dans Contrat. Vous allez dans Chasseur de prime. Donc vous avez bien entendu plusieurs levels de Bounty Hunter. Pardon, waouh, j'ai eu un petit bug. Ces levels sont du coup des LRT, LRT, MRT, HRT et VHRT et la dernière ERT, bien entendu. La ERT, ce qui est bien entendu la plus compliquée, et la VLRT, la plus facile. Donc, à savoir que moi, je ne les ai pas montés depuis très, 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 très longtemps. Et même, j'ai quasiment arrêté de les monter. Bah voilà, bon, la preuve. Donc, je suis à la VHRT. Du coup, là, c'est la ERT, VHRT. Donc, VHRT, donc, c'est aussi là où on peut trouver des petits trucs intéressants, que ce soit de la drogue ou autre chose. Donc, écoutez, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une VHRT. Normalement, il y en a toujours une là. VHRT acceptée. Et du coup, on se retrouve dessus. Thank you.
Eh bien, tout le monde, donc après trois petites batailles, donc là la porte est pétée, mais c'est pas grave, trois petites BHRT. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose, donc à savoir, attention, ça c'est le gain que j'ai eu pour trois BHRT, mais je tiens à préciser que vous avez une chance sur 10 de tomber sur un jackpot. En règle générale, vous allez tomber sur des petites cargaisons où vous trouverez un peu de chaque composant que je viens de prendre là. Donc moi je vous conseille bien entendu le spirit du cieux, fourniture médicale, le toxine, le slam très important et le cantanium aussi. Donc à savoir que tout ça c'est vendable à Grimex. Juste ça, là le cantanium, je vous le conseille de le vendre à une, dans une ville, en l'occurrence leur ville si possible pour vous. C'est là où je connais le mieux, c'est là où je vends en règle générale. Donc je vais vous dire le gagne-pain pour à peine une demi-heure de farm, c'est quasiment 300 000. On est à 271 867 AUEC pour tout ce que vous voyez ici. Malheureusement, je vais pas les vendre parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Parce que faut que j'aille à Grimex vendre ça, parce que parfois Grimex ça bug. Et ça, vous verrez leur bill pour le vendre, donc ça ferait plusieurs allers-retours de quelques minutes qui coûterait quelques minutes en plus sur la vidéo. Alors qu'elle est déjà pas mal longue pour ça. Donc voilà les amis. Forcément, moi au pire des cas, je vous mettais dans la description si ça a changé quelque chose en termes de prix ou si ça n'a pas changé quelque chose. Si ça a changé, je vous le dis. Si ça n'a pas changé, la description sera comme d'habitude, les amis. Donc j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, lâcher un petit like, partager la chaîne YouTube, c'est très important. Et laisser un petit commentaire pour pourquoi pas me donner des idées de vidéos. Tchuss les amis.